belle journée ensoleillée. Je peux vous dire qu'on a croisé les doigts. Et jusqu'ici, tout va bien. Ravi de vous accueillir pour cette journée exceptionnelle, le centenaire du groupe Vauban. Journée durant laquelle vous allez pouvoir découvrir un nombre impressionnant de véhicules d'exception, tous plus mythiques les uns que les autres. Alors justement, à cette occasion, je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir prendre soin de ces véhicules, donc de ne pas les toucher. De nombreux propriétaires nous ont fait confiance et nous ont prêté leurs véhicules. Donc voilà, par respect pour à la fois les véhicules d'exception, comme je disais, et pour les propriétaires. Je vais vous demander s'il vous plaît de toucher avec les yeux, comme on dit, de regarder à distance. Également des véhicules d'exception qui nous ont été prêtés par le musée Peugeot de Sochaux. Elle est, voilà, donc alors, elle est de quelle année ta voiture? Elle est 1923. Peugeot 172. Pouvoir, je vais aller la regarder de près. Il y a également un simulateur de batterie sans. Oh la vache! Ne pas à déambuler, vous promenez, vous passerez voilà, des véhicules de génération en génération. Toute l'histoire de Peugeot le réunit ici en cette journée pour. Eh bien, la voilà, la fameuse Peugeot 1923, phare acétylène, une Peugeot quadrilette. Je n'avais jamais vu ça, c'est magnifique. Voyons voir l'intérieur. Oh, c'est deux places. Donc c'est un cabriolet. On saurait oublier le Cinévasion. Alors qu'est-ce qu'elle a cette voiture? C'est Monsieur Jean qui c'est la seule qui a ça. C'est quoi Monsieur Jean, cette voiture là. Le rencontrer le Cinévasion. Je vais vous présenter le plus petit cinéma du monde. Et vous allez pouvoir à la fois découvrir le plus petit cinéma du monde et l'histoire du groupe Vauban. Je vous invite à rencontrer Monsieur Jean ici. Il est venu en faire un depuis les cheveux blancs. Depuis ferme, il adore. C'est un concept unique. Et donc c'est une voiture qui a été achetée par un journaliste en 1923 auprès de Monsieur Louis Ossard, donc le grand-père de Louis Ossard. Il l'a gardée, c'est Monsieur Guissou, il l'a gardée jusqu'après-guerre, jusqu'au moment où il ne conduisait plus. Et il a demandé à Pierre Ossard de garder la voiture, de la récupérer, de la garder. Donc ce qu'il a fait, elle est dans son état pur jus, excepté l'intérieur et la capote qui ont été refaites. Mais sinon, et les pneus qui ont été changés. Et les pneus qui ont été changés. Je sais, j'ai vu que tu as eu du mal à trouver. Changés, oui. Mais donc elle est de 1923, c'est 1972. C'est, elle est un peu plus récente que la quadrilette que l'on trouve là-bas. Ah, qu'il y a là-bas, là-bas, oui. C'est de 1922. D'accord. Un an de moins. Super. Et c'est la même famille. Super, merci. Salut. Bien. Oui, si on est là, c'est que ça va. Bah oui, tout à fait. J'ai un métro voiture. Mais une Peugeot 201. 1931. À l'intérieur, il y a toutes les voitures de course du Mans, de Dunkerque, vous allez voir. Indianapolis, c'est la limite qui a fait Indianapolis. Une Peugeot 202, 1938, avec cette calandre bien particulière qu'on retrouvera sur les 302 et 402. Bon, là, on arrive dans l'un peu plus moderne. 1951, elle est de magnifique, avec ce joli lion. Et bien là, on a une très rare dalmate qu'on reconnaît à son écusson. Une autre dalmate, décidément, de couleur bordeaux. Une 203 qui était seulement produite à 20 000 exemplaires. Je pensais qu'on en avait plus que ça. Qui est magnifique aussi dans une livrée jaune. Et bien derrière, une magnifique Peugeot 403. Aujourd'hui, à 16h, pour la première fois dans votre département, le Grand Cirque Romain. Mon papa en avait eu trois. J'ai vécu ma jeunesse là-dedans. Aussi avec un autre lion. Une magnifique 404 avec un intérieur cuir. De la plus belle livrée. Alors, 1900, 1900. 65.
Regardez cet intérieur magnifique. On en profite pour voir les coffres arrière des 203 dalmates. Vous voyez la différence avec une 203 normale. D'ailleurs, l'arrière est différent. Et on a une 2 dalmates, une finalement une dalmate 2 portes et une dalmate 4 portes. Et sur la 2 portes, il y avait la particularité d'avoir, je crois, le levier non pas au volant, mais le levier au plancher. Alors que celle-ci, elle a le levier au volant. On va continuer un peu plus loin sur des modèles plus récents que l'on connaît tous. On va s'y arrêter un petit peu moins, une 304 SL qui a été suivie après par la 304 S. Une 204 break avec laquelle je suis parti en vacances en 1973. Une 504, mais les derniers modèles avec les poignées affleurées. Une autre 504, mais celle-ci un peu plus particulière. On le voit grâce à ses pare-chocs importants et ses flancs blancs qui n'est pas commun. C'est un modèle américain. Donc d'ailleurs, la signature, je pense qu'elle n'était pas tout à fait la même que celle qu'on a vue jusqu'à présent. Alors, en plus, 4 phares à l'avant et des feux latéraux. Celle de gauche aussi, elle a 4 phares aussi. C'est certainement une option. Alors, on va faire le tour maintenant un peu des cabriolets. Donc, la 504, ça va être les deuxième série. Je pense que c'est une V6. Une 304S, on en parlait tout à l'heure, avec un moteur un peu plus puissant qui frôle les 65 chevaux, avec un tableau de bord. Joli d'ailleurs, j'aime bien ce tableau de bord. Voilà, un bel intérieur marron. Voilà, ça rappelle des souvenirs certainement à certains. Une très belle 204 cabriolet avec une superbe peinture. Il y a toujours cet esprit Peugeot à l'intérieur. Ce tableau de bord dessiné à peu près pareil à chaque fois. Et une autre un peu plus rare et à mon avis une des plus jolies. Une magnifique 504 injection. Alors là, il s'agit des premières avec ce tableau de bord noir avec de magnifiques sièges à l'intérieur entièrement refaits. Et encore plus rare. Décidément, on va dans la rareté. Une 203 cabriolet. Ça, c'est les années 50-60, je ne sais plus, je me renseignerai. Dans son jus au niveau des sièges. Bon, c'est vrai que le tableau de bord n'est pas très signé Peugeot, puisque c'est une voiture qui commence à dater. Voilà. Alors, nous sommes à Oni. C'est pour les 100 ans, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les 100 ans de Peugeot. Peugeot Vauban, voilà, avec tout un échantillonnage de scooters, mobilettes, voilà, Peugeot, les vélos Peugeot aussi, on l'oublie de temps en temps, mais il y a des champions de France qui ont gagné sur des vélos Peugeot, une magnifique Peugeot aussi là, des années 25, je ne sais pas trop. Alors nous allons vers des modèles beaucoup plus récents. Une 308 RCZ avec la particularité d'une vitre bombée à l'arrière qui rappelle le bombage qu'il y a sur le toit. Je reproche un peu son tableau de bord un peu 308
Mais ça, c'est une série un peu plus puissante que les autres. C'est un modèle Z, la 308 RCZ R, pardon, R. Regardez la vitre. Voilà. Normalement, on devrait trouver le monogramme R quelque part que je n'ai pas vu. Ah, on le voit sur les jantes. Voilà, c'est un modèle qui fait... Il y a 3000 exemplaires. Elle a un look, un châssis... Elle est une optimisation globale qui monte en gamme, donc c'est une livrée et on monte en gamme avec ce beau rétroviseur en... Regardez si c'est beau. Magnifique, magnifique rétroviseur. En suivant une magnifique 406 coupée, V6 pack. Voilà. Qui est dans une livrée très sympathique. À l'intérieur, il y a eu 100 000 exemplaires. 194 chevaux. On continue. Un 504 V6 coupé. Tiens, regardez qu'il y a un joli design. Et dans toutes ces Peugeot, il y a la signature Pininfarina que l'on voit parfaitement sur, derrière la lunette arrière au niveau carrosserie. On le retrouve, ce dessin, sur toutes ces voitures. Voilà la première. La deuxième, bon, c'est le même modèle, effectivement. Voilà, avec encore ce... dessin bien particulier. Après, on passe à la 404 coupée. Pareil, on a ce dessin là, voilà, qui donne, je pense, finalement la signature du carrossier qui a fait cette voiture, qui est ni plus ni moins que Pininfarina. Donc voilà, regardez ce dessin de lunettes arrière bien spécifique sur tous ces modèles. On va même remonter, si vous le souhaitez, jusqu'à la 406 pour vous montrer qu'il y a la même chose. Voilà, voilà, voilà. Et voilà aussi cette ligne, cette lunette abaissée grâce à cet angle. Et comme je vous l'ai dit et je vous le montre, voilà, Pininfarina. Qui Pininfarina a aussi dessiné la 206 cabriolet qui était fabriquée en Italie. Voilà, on a de la chance, la météo est très sympathique. Il y a un beau joli dessin sur cette 203 que l'on va aller voir de plus près. Bon, ça dessine, je pense, la National 7. Voilà, avec, on voit passer le Rhône. Voilà Thierry Dubois qui est un dessinateur connu dans le milieu de l'automobile qui a œuvré sur ce dessin. Voilà. Les fameux bouchons de la National 7 avec, pour les gourmands, le nougat de Montélimar. Voilà. Personne commence à arriver. Et à l'intérieur, il paraît qu'il y a les voitures de rallye. Eh bien, on est dans le côté sportif des voitures. Le magnifique 504. Une 205 rallye. Mais on ne joue pas dans la même cour. Regardez ce plan 205, 504. Oh, une très magnifique 405 Turbo 16 avec un aileron. C'est peut-être un avion finalement. Regardez-moi ça. Ça ressemble plus beaucoup. Ça ressemble plus beaucoup le 504. Et la voiture de Jabouille. La
après celle de Malcher. Un peu le même style d'ailleurs. Alors celle-là, elle vaut le détail. V12 HDI, la 908 Le Mans. Après. Encore une 405. Paris-Dakar, bah, celle de Harry Vatanen, pour le 12e Paris-Dakar, regardez cet éclairage magnifique, la 505 d'Angèle, 4 roues motrices. On aime bien le jour, non? Moi aussi, ça tombe bien. Eh bien, on continue. Une magnifique 206. Et en arrière-plan, une 205. Je fais volte-face. Une 307, 304 coupée. Olivier Destin. Une ZS qui faisait, je crois, à l'époque, d'origine 80 chevaux. Et c'est une série. Oui, bah c'est marqué dessus, 80 chevaux, c'est bon. Et pour terminer, une voiture encore plus rare, une 203, avec une carrosserie un peu spéciale, de 1953, équipée du compresseur Constantin. On va essayer d'aller plonger dans le moteur. Oh, c'est une pièce de musée. C'est une pièce de musée. Regardez ce compresseur Constantin. Des bougies d'avance. Comme certaines voitures, à l'époque, il y avait des bougies dans le moteur. Avec une calandre, tiens, qui est assez... Ça ferait presque peur. Eh bien là, on est dans l'atelier qui était modifié. Très sérieux. On a encore une magnifique Peugeot 203. Un 504 pick-up avec une peinture magnifique. Et en restauration, une autre 203. Un peu particulière. Alors regardez ce qu'il y a dans le coffre. Ah, il n'y a rien. Et une autre RCZ. Mais celle-ci n'est pas une R. Regardez le dessin du toit. C'est assez joli. On a deux food trucks. Des food trucks dans le style... Voiture des années 60, vous avez reconnu le HY, le fameux tube Citroën. C'est très sympathique, en plus on a la météo qui est avec nous. Voilà.
et les grands classiques Youngtimer, une GTI modèle 1900 cm3. Encore une 406, 7 ans anniversaire, c'est-à-dire un modèle un peu plus particulier avec à l'intérieur les gants qui vont bien. Une très belle mais magnifique 504 cabriolet, donc dans les premiers modèles, injection, je pense que c'était un 4 cylindres à l'époque. Et toujours un autre cabriolet qui est sorti avant celle que l'on vient de voir, une 504. Voilà, alors place au cabriolet. Vue sur les cabriolets, 504, 604, quel est votre choix? On fait un tour à l'intérieur? Regardez un petit peu ce tableau de bord qui est magnifique. Et devant, une voiture que je n'avais jamais vue, celle-là, une 203, qui est somptueuse, qui a mis son habit d'apparat. Oh là 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 là, c'est beau. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. L'avant est un peu particulier, plus pointu. Regardez-moi ça. Ça donne envie. Hein. Regardez ce look. Avec les deux petits déflecteurs à l'avant. Je continue. Je sais qu'ils ont déménagé. Eh bien, la fameuse 907 RCZ, regardez comme elle est jolie, avec ce 12 cylindres. C'est un moteur 6 litres V12, 500 chevaux. Il est implanté longitudinalement à l'arrière de l'essieu avant. Regardez ce look. Et à côté, une magnifique 402 Dalmat. Ça aussi, c'est rare. Cette voiture possède un moteur de 1991 cm3. Elle est sortie en 1938 et est carrossée par Marcel Courtois. Regardez ça, c'est magnifique. On va revenir un peu sur celle qui nous a fait tous rêver. Nous, le dessin des phares rappelle aussi le dessin des phares de 308. Il y a un intérieur bien cossu, bien joli. J'adore ce dessin, ces aérateurs sur les côtés. Regardez cet intérieur. On a envie de se mettre dedans et de partir. Allons vers l'arrière, par le dessin. Voilà, il y a une signature Peugeot quand même. Hein. Et regardez l'arrière de celle d'à côté. On dirait un avion. Les aérateurs sur les côtés sont magnifiques. Dommage que celle-ci n'ait jamais vu le jour. Pour de vous.